Pour moi, en tant que jeune Cubain, cet événement est synonyme d'avant-garde des technologies à Cuba. Mais cela ne veut pas dire l'avant-garde de leur accessibilité, parce que malheureusement, l'accès aux technologies à Cuba est toujours restreint. Quand le mur de la censure politique des technologies tombera, ils auront peur de voir comment les technologies vont influencer le développement du pays dans tous ses secteurs. Ils vont s'en rendre compte pendant des jours. La technologie n'a pas d'éthique en elle-même. Vous pouvez utiliser ce téléphone portable pour le meilleur ou pour le pire, pour informer ou pour diffamer. Le problème que nous connaissons en ce moment à Cuba, c'est une polarisation extrême des réseaux sociaux. Yo estaba en un hospital con un teléfono malo.